Le retour de la Formule 1 ce week-end à Austin, après 4 semaines de pause, c'était long, hein. C'était long, mais bon, ça y est, c'est de retour pour deux triples heures à suivre en plus. Alors, EL1 à 19h30. Pensez à pronostiquer aussi parce que dès ce soir à 23h30, avec les qualifs pour la course sprint, ça commence, vu que c'est un week-end sprint, 23h30 donc, jusqu'à minuit 15 environ. La course sprint aura lieu ce samedi à 20h, ça durera à peu près une demi-heure, comme d'habitude. Nous avons également la qualif pour la course de dimanche à minuit, de la nuit de samedi à dimanche. Ça va donc finir à 1h du mat, ça va un peu tard, mais bon, c'est les courses aux US, hein, c'est comme ça malheureusement. Et le Grand Prix aura lieu à 21h dimanche, une horaire traditionnelle. Bon, la météo, pas grand chose à ajouter de plus. C'est grand beau temps tout le week-end, donc 29-30 degrés, ça va chauffer dur. Hein. Dans les cockpits, pas de risque de pluie du tout, même pas le vendredi, il y a quelques nuages, mais honnêtement il va pas pleuvoir quoi. Donc voilà, on n'aura pas de course sous la pluie à Austin, dommage, ça aurait été pas mal, mais bon, on peut pas choisir la météo. Allez, ciao.